diaphragme, une longue vie passe par une bonne hygiène de vie. Bref. Alors j'ai remarqué deux choses. Que ceux qui arrivaient à faire ce que d'autres n'arrivaient pas étaient soit jalousés ou critiqués dans n'importe quel domaine que ce soit. Prenons l'exemple dans le sport, la chanson, la musique et même jusqu'au chef militaire. Bref, toutes les personnes qui arrivent à faire ce que d'autres n'arrivent pas à faire sont soit jalousées ou moquées. Ma formation à moi a commencé par une école du théâtre et de la musique. La formule que je ne cesse de vous répéter depuis le début ne sont que des thèmes que j'aborde continuellement. Et ça, afin de faire comprendre aux gens que personne n'ajuste en son raisonnement. Je comprends et conçois que certains ou certaines soient blessés et touchés dans leur ego et aient du mal du coup à écouter son album dans son intégralité. Comme on dit, les réalités sont tellement... La réalité blesse et ça c'est une vérité. Bref, il y a trois sortes d'électrochocs. Le mental, le physique ou le psychique. Ou pour les cas du désespéré, électrique. En ce qui concerne le laser, vous savez le sabre dont je vous parlais précédemment. Il y a le plasma et le thermique. Le plasma, ça fait bientôt 50 ans qu'on s'en sert dans le domaine de l'orfèvrerie, capable de tailler n'importe quel métal et en faire des bijoux. Et j'en finirai avec cette simple phrase. Au savoir, on ne lui apprendra jamais rien. Je vous l'ai dit que j'étais capable de vous faire avancer, évoluer ou progresser, ou bien vous abrutir et vous envoyer tout droit dans le mur. Bref, un pouvoir si maléfique. Cela ne dépend que de votre comportement à vous tous. Écouter plusieurs fois son contenu pour en comprendre toutes ces nuances. Par force de rabâchement, c'est pour ça qu'à l'école, les poésies étaient apprises par cœur. Et qu'elles se terminaient toujours par une morale. Afin de vous faire évoluer et progresser, mais dans le bon sens. Comme je vous ai dit, on n'apprend rien au savoir. Savoir, c'est pouvoir.